aussi et surtout Robert Duvall. Robert Duvall qui fut pendant de très nombreuses années le premier grand second rôle américain, devenu une vedette à part entière depuis Le Parrain, Sanglante Confession, etc., etc. Robert Duvall est présent cette année à Cannes à double titre et pour la première fois. Acteur dans Thunder of Mercies et réalisateur de Angelo My Love, deux films en compétition. Angelo My Love, c'est la vie de la communauté gitane aux États-Unis. Robert Duvall s'est passionné pour ce sujet, il a tourné au milieu de cette communauté sans acteur professionnel. Et l'idée que nous avons eue dès son arrivée à Cannes, c'est de l'emmener avec Madame Duvall dans un campement de gitans juste derrière Cannes, à Mougins. Et ce court-métrage pourrait s'intituler « Monsieur et Madame Robert Duvall en liberté ». Ah, super dance, Sarsan. Sarsan. Poignée de main, Robert connaît quelques mots de gitan. Le contact s'établit tout de suite. Nous sommes du groupe Sinti. Sinti, oui, yes, Sinti. Du clan Sinti. Kadarashu, Kadarashu. Et Rusori. Et Rusori, Argentoria. Machuaya. Machuaya. Machuaya, oui. Yeah, in New York. Yeah, you have many, many gypsies. Les Lovars et les Churars. Yeah. Robert Duvall, for what reason are you interested? Robert Duvall, pourquoi êtes-vous intéressé, passionné par les gitans? Parce que j'ai rencontré un jeune gitan et j'ai voulu faire un film avec lui. Nous avons fait ce film pour essayer de mieux comprendre sa culture. J'ai fait le tour des États-Unis, j'ai rencontré des gitans russes, français, anglais. J'ai fait tout le boulot de recherche pour intégrer les gens d'une manière précise à travers l'univers de ce petit garçon, de cet adolescent. Votre histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon comme celui-ci ou celui-là qui vous entoure ici. Oui, son nom c'est Angelo Evans. Il essaie de retrouver une bague qu'il a volée à des gitans russes. À la fin, il la retrouve, retourne au Canada, mais là, il le chasse finalement. And they run out of the boy's wedding and camp out on the Russian gypsy doorstep, get him drunk. À la fin, il se retrouve au mariage de son frère et il se saoule et il rapporte finalement cette fameuse bague. Je le montre aussi dans son milieu, là où il vit. Il essaie d'être américain, mais il ne peut pas. La mère lui dit et lui fait comprendre, tu ne peux pas être américain et gitan à la fois, tu es seulement gitan. C'est elle le chef de la famille, alors il reste au milieu des siens. Et j'aimerais une autre petite question, est-ce que les tziganes d'Amérique sont rejetés aussi comme en Europe? Oh, la plupart des Américains ne connaissent même pas les gitans, ils n'en ont jamais vu. Les gitans vivent en dehors, les Américains par ici, les gitans par là. Et ils font des tas de petits boulots, cordonniers, menuisiers, tout ce qui n'intéresse pas les autres. Rejetés en dehors des villes. C'est quand même terrible cette histoire. L'attaché de presse de Robert Duvall s'impatiente, mais lui, visiblement, n'est plus pressé de repartir. Et un des musiciens lui confie même son bien le plus précieux. On the wings of a love.
Bravo. Bravo. Robert Duval, une démarche qui n'est pas sans rappeler les sept mercenaires. Pour les gitans de Mougins ou de New York, il n'est plus véritablement un gadjo, un étranger. Michael, I'm not talking about collecting welfare. I'm talking about learning how to read and write. That's what he needs. Come on, Paulie, give us a break. We got a big family Greece coming up. What's a Chris? Greece, Paulie, a trial. A trial? You guys are in trouble again? Yeah, it's us against the Russians. You got in trouble with the Russians? All right. See, my papa Yolano left the ring for the family that was supposed to go to Angela. And then his cousin came and stole it. What kind of creep would steal a kid's ring? A Russian, Siganov. Pour terminer, un coup d'œil sur cette exposition d'affiches qui nous...